Yon l'autre pas, Dr Narcisse dénoncé ingérence pouvoir exécutif là qui était convoqué parti politique vendredi passé à dans processus électoral là. Selon madame Narcisse, c'est CEPA qui gen droit convoquer parti à regroupement politique yo. Puis loin, coordonnatrice Fanmi Lavalas la protesté contre l'arrestation Dr Claude Joisard, candidat pour poste sénateur Lavalas dans le département nord-est lundi passé à, une arrestation dirigeante politique la quoi qui vient fragiliser plus toujours processus électoral là. Dr Maryse Narcisse, toujours dans le micro Rinal guerrier avec Gaston Joseph. Dans l'occasion ça, je dis, nous ne pouvons pas dénoncer l'arrestation sans mandat Dr Claude Joisard, qui est candidat Fanmi Lavalas dans le département nord-est. Alors que il a quitté le département pour les villes Port-au-Prince dans une réunion avec l'organisation. Tout le monde qui connaît la loi reconnaît que l'accusation de mettre sous le lion n'est pas campée. Manœuvre arrestation ça, que le commissaire police dans le département nord-est Charles Nazaire, fait ce docteur Joisard, mettait encore plus de doute sur le processus électoral là, pour nous arriver vraiment à gagner une bonne élection libre, honnête, démocratique. Je vous ai dit, coup d'état électoral pas passé. Après-tu l'accord, pour l'état électoral pas passé. Pour nous comprendre, pour l'état électoral, il faut que nous marchions sous deux pieds. Élection, mobilisation. Élection, mobilisation. Élection, mobilisation. Nous seuls nous faibles, ensemble nous forts, ensemble.